Salut à tous, c'est Caudran et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 10. On a enfin atteint la dizaine. Et oui, donc l'épisode 10 de la Horde à l'Empire où nous incarnons les Francs. Alors dans l'épisode précédent, on avait eu notre premier fight avec les Huns. Ça s'était bien passé. Mais comme vous le voyez, donc on s'était retranché dans des forts. Dans des places fortes, donc, et ils avaient commencé à nous assiéger. Donc, une future bataille, je pense, peut-être dans les tours qui vont venir. Autrement, ici, ça se commençait à se rebeller un peu partout. C'était pas très bon signe, tout ça. Même pas du tout. Du coup, je sais pas du tout ce qu'on peut faire. On peut pas faire grand-chose. On avait conquéri le nord de l'Espagne, donc ça, c'était bon. Bon, ici, on s'était complètement fait rejeter de la Sardaigne. Je pense que je vais envoyer cette armée là-bas. Ouais, je vais renvoyer cette armée là-bas. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Je vais de suite. Alors, par contre, je vais envoyer par où Je sais pas si. Alors, les deux. Ouais, eux ils sont occupés là-bas. On va se replier, derrière le pont. On va placer un fort. Et ce pont là, on doit le garder au péril de notre vie. Parce qu'une fois que le pont là sera passé par les 1, ils vont tout déverser. Alors pourquoi ce pont là? Parce que regardez bien le carré autour. Ils peuvent m'attaquer qu'avec une seule armée à la fois. Bon, ça aussi ils font le tour évidemment, mais ils le feront pas. Parce que c'est l'ordi, je pense. Donc ils vont tous attendre comme des glands ici. Et nous on va les tailler en pièces un par un. Ça c'est ce qui est prévu. Après, ce qui va se passer, on sait pas encore. Je sais pas si je les amène ici. On va plutôt contourner par là. Et ensuite on ira là-bas. On verra, on verra. Autrement, oui. Donc j'ai recruté des cavaliers ici. Parce que c'est comme ça qu'on va battre les 1 aussi. Donc de l'élite guerrière, ça c'est du tout bon. On va falloir surveiller un peu les Romains. Là, ils commencent un peu à s'agiter sur les bords ici. C'est pas bon signe du tout ça. Autrement, bon, on va passer le tour. Voilà, bon. On a perdu la ville, ça c'était prévisible, c'est pas grave. Pas grave du tout. Il y a quelqu'un qui est mort là, j'ai pas eu le temps de voir. C'était mon espion ou pas? Donc, oui, révolte civile. Ah, oui, c'était mon espion qui était mort, oui, effectivement. C'est pas grave, donc rapport de recrutement, ok. Bah, écoutez, on va se replier gentiment. Je sais, il y a une armée planquée ici, ils étaient plus nombreux il y a 2 secondes. D'avoir une armée planquée, ça sert à rien d'avoir des pertes inutiles. On reviendra plus fort. Hop. Ensuite, de ce côté-ci, on va faire un diplomate et on va l'envoyer vers le sud pour voir un peu comment l'Espagne ça se passe. Alors, ils ont toujours pas décidé de m'attaquer ici, c'est dommage, c'est dommage. Extrêmement dommage. Regardez la portée de déplacement des hordes, quoi. C'est infernal. Infernal. C'est totalement horrible. Étendue boisée. On va aller là-dedans. Embuscade. Non, je sais pas. Non, non, on dirait qu'il a pas envie. Je vais peut-être faire un assassin. Tiens, ça pourrait être un bon moyen de commencer à zigouiller les généraux et francs. Qu'est-ce que je raconte? Autrement, ici, je ne peux rien construire, ce n'est pas grave. On va amener 2 hommes là. Ici, il y a des hacheurs, ça c'est bon. Et là, il y a de l'élite guerrière qui arrivera sous peu, on va en faire une autre. Je pense qu'ils vont m'attaquer au prochain tour. Je regarde un peu dans les autres villes comment ça se passe. Sinon, pour vous parler du rythme de vidéo, donc j'ai peut-être trouvé un petit rythme. On va passer le tour. Ah bon, voilà. Donc Pharaon, les vidéos de Pharaon se dérouleront du lundi au samedi, le lundi et le samedi. Donc je les uploaderai le lundi et le samedi, voilà. Et Rome Total War, ce sera le mercredi et le vendredi. Voilà. Donc ça c'est bien. Ça normalement, je devrais pouvoir le faire pendant les vacances. Après, pendant la rentrée, on verra tout ça plus tard. Et ça, ce sera déjà pendant les vacances. Donc la série principale sur Total War le mercredi et le vendredi. La série secondaire qui pour le moment est sur Pharaon le lundi et le samedi. Voilà. Bon, et bah c'est parti. On va combattre sur la carte de bataille.
Bon, si la bataille s'éternise trop, je vous ferai des petites prises de vue, des petits trucs, je vous raconterai un peu vite fait la bataille. Non, mais vous mettons des petits plans, tout ça, un peu de fight, ce sera toujours sympa. Hop là, bon. On est en phase défensive. Ouh là là, et regardez ce monde, regardez ça. Ça va être horrible. Donc je vois qu'il y a 4 béliers ici. Oh là là, un bélier là. On pourrait peut-être essayer de cramer ce bélier là. Ça serait très utile, je pense. On va placer des... Non, on va pas placer des archers tout de suite. On va mettre des épéistes là. On va en mettre deux là. Ici. Et hop là. Ah là, voilà. À prendre des archers. On va prendre par exemple ces deux là, là. Parfait. On va les placer là. Feu. Ah, merde, comment dire. Flèche incendiaire pour le... essayer d'incendier le bélier. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va être un peu plus dans la merde. Oh là là, ça va être dur, ça va être horrible. Si on gagne, ce serait vraiment génial, quoi. On va faire un petit mix ici. Ils sont déjà en formation. J'ai dû prendre les autres, non? Et oui, j'ai pris les autres. Ah là, super. Bon, c'est pas grave. On va partir du principe que le bélier là-bas doit cramer. Mettre un peu ça pour... On va mettre le mode garde pour les empêcher de poursuivre les unités ennemies. Donc là, c'est un peu la préparation du siège. Tout va dépendre de cette préparation. Alors... Mur de bouclier également. On va vous mettre là. Ici, voilà. Oh, ici, je sais pas comment on va trop se démerder. Oh, il y avait vraiment beaucoup de béliers, quoi. C'est vraiment, vraiment la misère. Il y en aura un là, un là, un là et un là. Ça va être sympa, hein. On va mettre tous les hacheurs ici. Hop là. On va en mettre deux près ici. Et les deux autres ici. Voilà. Le général là. Et des épices qui nous restent ici. On va les mettre en renfort au milieu en attendant. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Objectif premier, cramer le bouclier. Oulololololo, ouais, c'est quoi ça? Non, non. Mauvaise idée, ça, les mecs. Hein. On recule un peu. Ok, donc ça, c'est bon. C'est du tout bon, ça. Faut qu'on axe nos feux sur un seul bélier. Je pense. Sur celui-là, ce serait le mieux. On axe tout sur celui-là et ce serait parfait. Au pire, là-bas, on va se laisser un peu déborder. C'est pas dramatique. Par contre, là, je sais pas ce qui glande, là. Allez, bougez-vous. C'est quoi, ça? Mais non, mais barrez-vous. Fermez-moi cette saloperie de porte, là. Allez. Et vous, cramez-moi ce bélier, s'il vous plaît. Ce serait bien, voilà, ça, c'est bon. Ah, essayez de le cramer, ce serait vraiment génial. Je sais pas ce qu'ils font, on en profite. Allez-y. Ah, c'est bien, on les a fait bugger, j'ai l'impression. On les a fait bugger, c'est énorme. Parfait. Parfait, parfait. Ah, de ce côté-ci, le bélier a cramé, donc ça c'est du tout bon. Ici aussi, mais c'est parfait. Et là-bas aussi. Ouh, les gars, ça s'annonce bon. Enfin, les gars, les filles, peu importe, hein, ça, je m'en fous totalement. Qui que vous soyez, qu'est-ce que vous faisiez, je m'en moque royalement. Ça c'est du tout bon. Ouais. Regardez ça. On va se les accueillir, c'est un. C'est moi qui vous le dis. Ouh, ça va être beau là, ça va être beau. J'ai reculé mes archers, on va les placer là. Allez, c'est parti. Concentration. Si cette bataille... Cette bataille est extrêmement décisive. Le royaume franc dépend de tout ça.
On va placer une unité là, une unité là. Regardez, regardez la horde qui s'engouffre. Ça va être un choc terrible. On commence léger, évidemment. On a cramé ici? On n'a pas cramé, là. Ce serait bête s'ils rentrent par là. Aïe, aïe, aïe. Ils vont rentrer, ils vont rentrer. On va être mal, là. On va être mal. Toi, on va te renvoyer là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça c'est quoi? Ça c'est la cave qui nous tire dessus, c'est pas important. Ça c'est important, tirer dessus en attendant, c'est pas grave. Les unités à pied c'est pas le plus dangereux. On va faire le mur de bouclier. Hop là. Eux, vous courez. Ici faut pas qu'on s'engouffre trop. Hop là. Faut pas trop qu'on s'engouffre là-dedans. Aïe aïe aïe, ils viennent d'ouvrir la porte. Bon, normalement ça devrait bien se passer. Je vois qu'il y a les francisques qui volent un peu là, c'est pas mal ça. Ok. Aïe aïe aïe, là-bas par contre, là, ça va faire mal. Faire très mal, j'ai dépêché le général. Qui se battait, donc qu'est-ce qu'il faisait le général? Mais oui, il y en a qui sont parvenus à passer un peu ici. On va envoyer tout dans le tas là. Ça lag un petit peu. Désolé hein. Le jeu a beau dater de 2004, on a toujours du mal à le faire tourner. Qu'est-ce qui s'est passé toi? T'es tout seul. Bon, ici il faut qu'on tienne. On n'a pas le choix. On va encourager un peu les troupes. Oulala, mais il perce ici, c'est qui perce hein. Aïe 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 aïe. Peut-être devoir se replier au centre, ce serait bête, mais... En tout cas, on leur fait pas mal de pertes, là. Ouais, ça fuit, là, c'est bien, ça. Ça, c'est du tout bon. Faut qu'on reste... Par contre, regarde les chefs de guerre, là-bas, ça va faire très mal. Ça, c'est vraiment super dangereux. J'ai vraiment peur de ça, vous voyez. Autant leur cavalerie et tout ça est extrêmement faible. Bon allez là, boucherie s'il vous plaît. J'essaie de vous mettre un petit zoom sans laguer. Ah c'est bon là. Regardez ça. Regardez ça, c'est parfait. Ah, j'adore. Allez, rebrousser chemin un petit peu. Et aller porter secours aux alliés. On dépêche les troupes d'élite là-bas. Et le reste bah, va rester là justement. Essayer de bien se repositionner. Et rentrer au fort s'il vous plaît. Non, à la base vous étiez pas censé vous disperser. Mon général. Il faut pas que mon général meure. Chargez ça vous. Allez-y là, qu'est-ce que vous attendez là? Désolé si je parle pas beaucoup là, je suis vraiment concentré dans la bataille. Alors ici c'est un peu critique, ouais, ça fuit. Oups là, désolé pour le beau micro. Regardez, bon, on fait quand même un sacré massacre, donc ça c'est plutôt bien. 38 minutes, il nous reste 59, on leur a fait 60% de tués. Eux ils nous ont fait seulement, ils nous ont fait 39 c'est ça? 38. On va se placer là, on va faire la technique... du gros connard de base qui fait un siège. On place tous les unités là, elles vont se battre jusqu'à la mort. Et on va contourner avec le général. Hop là. Ici ça m'a l'air d'être bon. Bon il charge mais bon ça fait pas grand chose. Ça c'est quoi? Berger de la horde, ok c'est pas grand chose non plus. C'est bien, ça fuit. Si on pouvait tuer le chef ce serait parfait ça. En fait je remarque les soldats avancent un peu tout seuls hein. Alors bon, ici, allez-y, rentrez tous là-dedans, rentrez tous, que je vous prenne en sandwich. De toute façon, on se bat jusqu'à la mort, là, normalement. 64%, ok. Commence un peu à se rétrécir un peu, là. Un poil, hein.
peut-être arrêter les flèches en f... Oh, quoique non, ça fait une bonne impact moral. Malheureux d'avoir essuyé des pertes, ouais. Ouais, ouais. Bon, je crains, mes hacheurs craignent pas trop tout ça. Ah, des téméraires. Guerrier d'élite de la Horde, et bah bonne chance. Bonne chance à vous. Alors, bon, ici ça fuit, on va devoir... Je vais déjà entamer un peu avec le général. Il va falloir se préparer à affronter ça. Et ça, les mecs, ça va être du lourd. Ça, ça fait vraiment très mal. Les 1 ne sont pas du tout des mauvais guerriers. Bon, là, petit massacre en série. Totalement gratuit. Je surveille un peu et je vois que... Commence-t-il à se charger? On va rentrer dans le fort, on va rentrer dans le fort, on est prudent. Ça sert à rien de... faire le teigneux. On n'est pas là pour ça, on est là pour gagner. Et là, ça se passe plutôt bien. Regardez ce massacre total. Oh, regardez ça. Oui, il n'y a que des chevaux là. On a un tapis de cheval. C'est assez énorme. Ah, et n'empêche, c'est... je sais pas là. Regardez, grâce à tout ça, on a détruit tout leur bélier. Ils ont que deux entrées. Ça, c'est juste parfait quoi. Ça, c'est vraiment la, la providence qui a joué avec nous ça. Parce que sinon, on aurait été littéralement débordés. Hein. Ça, je vous le garantis. Et je crois que les 1, on les écrasera en bataille de siège. On fera ça. On essaiera en tout cas de les attirer dans un piège. Hein. Ça fait partie de la stratégie, tout ça. Et voilà, bon, en attendant... Non, c'est tout. Toujours des guerriers qui reviennent un peu. Comme ça, c'est pas grave. On va attendre gentiment tout ça. Arrêtez de tirer des flèches enflammées, vous. Alors, pour ceux qui se demanderaient si je fais partie de Total War Prol, parce que j'ai eu la question plusieurs fois... En message privé aussi, j'ai trouvé ça assez marrant. Comment on voit des messages privés, enfin bref, c'est pas... Je suis pas contre, hein, pas du tout, non, non. Faites-le si vous voulez, moi ça me dérange pas, mais enfin... racontez pas tout et n'importe quoi, hein, parce que bon... Je préfère quand même répondre dans les commentaires de vidéos, c'est plus clair. Et puis des fois ça répond aux questions des autres, et ça, ça peut être très utile. Donc non, je ne fais pas partie de Total War Prod, bien que j'ai envoyé une demande il y a de ça une semaine. Bon, une demande que peut-être un petit peu prématurée, je l'avoue, hein, parce que j'étais à ma toute première vidéo et j'avais déjà envoyé une demande pour dire à quel point j'étais motivé, mais bon. Bon, j'ai reçu aucune réponse, ni oui ni non, donc je sais pas s'ils ont eu mon message, je pense que oui, mais bon, j'aurais bien aimé qu'ils répondent au moins oui, au moins non, ce qu'il faut vraiment, et puis voilà, ça aurait été vraiment sympa, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus... pas non plus dramatique, hein, je leur en veux pas pour autant. Après tout, je comprends, hein, je suis un youtubeur, comme ça je débarque du jour au lendemain, hop là, une petite vidéo comme ça qui sort de nulle part, les francs de la Horde à l'Empire, épisode 1, bon. Voilà, c'est, je comprends après qu'on trouve ça un peu limite, hein, parce que moi j'ai pas du tout d'expérience YouTube, ça fait même pas un mois que j'ai commencé, je fais déjà des vidéos, enfin... Non, ça veut rien dire ce que je dis, ça fait même pas un mois que j'ai commencé, je veux déjà aller dans Total War Prod, quoi, c'est peut-être un peu prématuré tout ça. Donc bon, c'est peut-être un peu moi aussi, hein, c'est pas grave. De toute façon, je compte repostuler par la suite, hein. Total War Prod, comme je l'ai dit, c'est un groupe vraiment qui m'a l'air vraiment bien, le principe de communauté déjà est vraiment, vraiment cool. Et ça pourrait m'aider pas mal à l'avenir, pour même les futurs projets, tout ça, ça pourrait vraiment être sympa, je pense. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment, mais bon, je désespère pas, hein, j'ai encore pas mal de temps, ça fait que 2 semaines qu'on a commencé. Et je vais envoyer mon général chargé dans le tas, parce que là je me rends compte qu'ils sont complètement buggés avec le bélier. Bon, on va en profiter, écoutez. Et eux ne bougent pas. Alors s'ils bougent pas, bah... c'est pas grave, mais par contre cette charge-là va faire extrêmement mal, ça va faire super mal, je pense. Va falloir s'y préparer. Et ce... dès maintenant, peut-être accélérer le temps un peu, non? Sans faire les cons. Hop là. Oui, sans faire les cons, j'ai dit. Oui, sans faire les cons, j'ai dit. Allez, go. C'est le choc, là. Le choc, le choc. Non, non. Restez, en fait. Restez. Attaquez, maintenant. C'est parti. Ils sont pas morts, j'espère, si. C'est n'importe quoi ça! C'est complètement cheaté ce truc! Non mais c'est quoi ça? Allez go! C'est bon, la charge a l'air moisie ici de ce côté donc c'est cool. Voilà, c'est bien s'ils arrivent comme ça, tranquille.
go. Go, go, go. On va les prendre en revers avec le général, nous. J'espère que ça va bien se passer. Aïe, aïe, aïe. Regardez comment ils enfoncent. Horrible. C'est totalement horrible. Même ici, on prend extrêmement cher. Aïe, 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 aïe. Je vais le lancer. Ben, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Enfin, si, j'en ai un petit peu. Allez, go. Toi, tu vas contourner tout ça. Eux, normalement, ils doivent se battre jusqu'à la mort. En principe, hein. S'ils se font pas trop pousser, parce que là je vois qu'on commence légèrement à se faire pousser. Une petite charge de dos, ça fait jamais du bien. Donc on va tenter. Le tout pour le tout. Bim, allez, bouffe. Mange-toi ça. Aïe, aïe, aïe. Regardez, regardez ça. Allez, tenez là, tenez, tenez. Et vous aussi, là, faut que vous teniez. Bon, eux, ils vont tenir. J'ai dépêché des renforts là-bas. On va en avoir besoin. Sur les flancs, ce sera bien. Aïe aïe aïe, on recule, c'est pas bon, aïe. Oulalalalala. J'ai bien peur qu'on va prendre cher là. Ils sont vraiment redoutables ces cavaliers. Et pourtant, vous voyez, j'ai plein d'unités là, mais si on n'est pas en mesure de le battre, et bah ça va pas le faire. On va faire un petit cri de guerre. Donc le son est en train de bugger littéralement ici. On va mettre désactiver, activer les effets sonores. Et charger, charger, charger. Charger, charger, envoyer tout le tas là-dedans. Tra merde, merde, merde. Aïe, 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 aïe. En recul, là, on nous a envoyé hors des... Ouh, je déteste ça, mais on leur fait des morts, au moins. On leur en fait un peu, hein. Ah non, ça commence à fuir. Ah, c'est dommage, cette bataille était bien partie. Je crois qu'on va se faire battre pitoyablement. Mais vraiment pitoyablement, quoi. Oh non, 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 mais c'est pas possible. Ouh loulou. Ça fait vraiment pas du bien tout ça. Hein. En plus, mon général est mort là, donc ça fait vraiment pas du bien non plus. Pourtant, ils perdent des hommes, hein, ils en perdent. Regardez, 23. Ah, ils en ont quand même pas mal. Hein. Et c'est que des seigneurs de guerre, quoi, ça fait vraiment mal. Bon, ici c'est pas un vrai seigneur de guerre, donc bon. On voyait le reste là-bas. Allez-y, allez-y. Tenez, 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 tenez. Il faut que vous teniez. Ouais, vous allez aller regarder juste cela, voilà, c'est pas. Normalement, on devrait se le faire facilement celui-là. Sauf que je vois qu'on commence déjà tous à fuir. Pourquoi? Pourquoi vous fuyez? Mais non, c'est mon armée qui s'enfuit. Non, non, c'est la mienne là qui s'enfuit, les mecs. Arrêtez, arrêtez ça, arrêtez ça. Charge de... Oh non, 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 non. Merde, merde, merde. Reste là, reste là, reste là, toi. Reste à l'intérieur. On en a eu un, je crois, non? On en a eu un. On en a eu un ou on en a pas eu un? On en a pas eu un, il me semble. Restez là, vous. Restez là. Attaquez. On va essayer de faire le plus de pertes possible. Bah, je vais accélérer le temps, du coup, ça sert plus à grand chose là. De toute façon, ah, c'est bon, on en a eu un. Parfait, un petit archer qu'il a eu. Là, en principe, on se bat jusqu'à la mort. On est 3, 4. On est 9. 9, bon, bah. C'est dommage, on. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, défaite serrée, regardez. On leur a fait énormément de pertes quand même. On leur a fait pas mal de pertes. 3515 morts. C'est bien, c'est bien. Je vois que, waouh, on a déjà bouffé 25 minutes. Là, c'est c'est assez chiant. Ouais, donc là, voilà, ils ont eu. Voilà, parfait. C'est ça que je voulais que vous fassiez, les mecs. Nickel. Alors, les Burgondes, qu'est-ce qu'ils me veulent, les Burgondes? Rien, bon, bah, c'est pas grave. C'est quoi ça? C'est où ça? Ici. Oh, non, non, on va se replier. Voilà. J'ai pas envie de... Non, non, on s'occupera plus tard de ça. C'est pas le plus important pour le moment. Mort héroïque. Et ouais. Tu t'es battu avec bravoure, mec. Allez, go.
toute façon, les renforts devraient pas tarder à arriver. Ouais. On va les amener de suite. Alors regardez, normalement, je peux affronter une armée une à une là. Voilà. C'est déjà mieux ça. Oupla. Alors mon assassin. Tu vas aller là. Toi. Non, toi c'est même pas la peine. On peut essayer. On peut essayer celui-là. On peut essayer. Raté, ouais. Bon. Ça c'était prévisible. Ouais. Alors j'ai une armée complète ici. Complète et parée. Parée à toute éventualité. Hop là, 2 secondes. Voilà. Une armée vraiment, vraiment full là, ça pourrait être assez utile. Bon là-dedans c'est plus trop la peine de regarder. Ah, j'hésite vraiment à attaquer là. J'hésite. De toute façon je peux pas construire de fort. Bon écoutez, on est à 26 minutes, on va pas s'arrêter là, vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans la ville. On peut rien construire, ah, c'est vraiment les 1 le problème là, ça nous bloque vraiment. Bah ici, écoutez, on va attendre le siège, on va les attendre venir. On va les laisser venir plutôt, je veux dire. Et on peut essayer de les attaquer. Et on n'a pas assez de mouvement, et bah c'est cool. On va passer le tour. Ah, les 1 ne m'ont rien fait. Ça, c'est bizarre. Même plutôt étrange. Ouais, allez, je vais te prendre. Concile de Carthage. Enrichir les doctrines et les pratiques de l'église chrétienne après d'or. Finalement, décide que la prière pour les morts. Ok. Démocratisation de la chrétienté, quoi. Donc là, voilà, déclaration d'alliance. Ok. Oui. Ouh, mais ça se passe pas comme prévu là. Bon, on attaque. Un petit combat. Objectif, tuer le général ennemi. Si on parvient à tuer tous les généraux d'une faction, de toute façon la faction est détruite hein. Donc on va essayer de faire ça, mais on va essayer de faire le plus de morts possible. Donc un épisode riche en bataille. Ces épisodes-ci seront plutôt riches en bataille. En même temps, c'est normal. On se retrouve contre des 1. Donc, qui dit 1, dit grosse baston. On va faire ça. Placer ça devant. Comme ceci. Légionnaire à l'arrière. Hop. Cavalerie. On a de la bonne cavalerie là. Ça, c'est cool. Et général ici. Allez go. Mince, j'ai oublié des trucs là-bas. Oh, bah oui, des cavaliers en plus. Sympa, sympa. On va faire un petit regroupement au milieu. Non, mais assez massive là-bas. Ouais. Ici, on a quoi? Ici, c'est pas mal non plus. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va se replier un petit peu. Ah mince, on arrive direct déjà aux frontières de la map. Ouh, pas terrible, terrible tout ça. Faire un tas. On va se mettre là, comme ça. On peut, là. On peut. On va se mettre là. Avec la calandre, on va tenter des trucs. Ah ok donc. Seigneur de guerre, super. C'est génial tout ça. Bon allez, chargez-moi ça, c'est pas grave. De toute façon c'est des mercenaires, on peut les utiliser au casse-pipe. Alors par contre s'ils pouvaient courir ce serait bien, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous chie, bordel. Allez bim, je veux une charge là, une bonne charge.
Parfait. Ils ont pas de perte, hein. Oh là là. Aucune perte, hein. Regardez, on a déjà une unité qui fuit, c'est n'importe quoi, ça. Oh, ils sont vraiment cheatés, ces mecs. Oh là là, regardez-moi ça. Ah là, voilà. Regardez ça, regardez. Attends, il y en a 80, ils vont pas me dire qu'il y a... Faut que j'arrive à en placer une. Ils vont pas me dire qu'à 80, ils commencent déjà à avoir les jetons, quoi. Enfin, c'est impossible, ça se peut pas. 80, tu continues à te battre, hein. C'est pas comme si t'étais tout seul, hein. Bon, eux, par contre, là-bas, ils prennent cher. Bon, eux, ici, par contre, ils prennent cher. Nous, on prend cher, ici. Allez, go. Go, go, go. On va les envoyer là-bas. Ah, une charge de feu. Une charge de dos, oui, bah oui, c'est sûr. Hein. Ça fait jamais du bien. Allez, alors on a 31 minutes. Bah, ce que je vous fais, écoutez, c'est que je vais vous mettre les moments importants de la bataille, parce que sinon, mon disque dur va arriver complètement, complètement rempli, là. Donc là, on voit le général va tenter une petite percée, j'ai l'impression. Non, même pas. Même pas, même pas. Bon, ouais, bah, on va faire des ellipses, et puis on va, ça va se passer comme ça. J'ai décidé de me replier comme un lâche sur les bords de map. Comme ça, je sais, c'est pas du tout tactique, mais de toute façon, les 1, ils m'ont l'air complètement surcheatés, donc c'est pas du tout, ça me plaît pas du tout, vous voyez. Enfin, c'est pas du tout une bataille vraiment équilibrée. Regardez, ça, ces mecs-là sont complètement exagérés, c'est vraiment n'importe quoi. Donc bah moi aussi, je vais exagérer, je vais me foutre au bord de map, comme ça, on va bien rigoler. Voilà, donc là, on s'est mis en position, et bah maintenant, on va attendre le choc. C'est pas plus compliqué que ça, et regardez, il va y avoir du monde en face, hein. On voit tous les petits points noirs là-bas. Voilà, il y a tout ça en face, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps un moment de merde dans les campagnes que font les commentateurs, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est le petit mode. Là, c'est notre moment de merde à nous. Donc nous, c'est les 1. Allez. Alors là, j'ai décidé d'ouvrir le feu sur des guerriers d'élite qui sont un peu trop approchés de mes troupes, comme vous le voyez. Voilà, donc il fuit déjà, donc on va cesser le tir. Ça sert à rien de tout bouffer. On va en garder un petit peu pour après. Alors il y a des javelots qui partent n'importe où là. Le général Miss s'est approché un petit peu trop près, donc on va essayer de se le faire avec les archers, je garantis rien. Ou même s'il fuit, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Bon, et bah il a fui. Hop là, et le combat continue. Bon alors là l'ennemi je sais pas a commencé à camper comme moi au fond de la map. Donc on va essayer de lui rendre visite un petit peu. J'ai déplacé la formation, je sais c'est pas bon du tout pour moi. Du coup ça sent la branlée de plus en plus là et ça c'est vraiment horrible. Donc l'ennemi s'est réactivé un petit peu, il a commencé à renvoyer ses troupes, donc moi j'ai stoppé machine. Puis là je suis en train de l'harceler avec mes archers, lui Marcel avec ses archers, enfin bref c'est un combat les plus ennuyeux pour le moment. Comme vous pouvez le voir, l'ennemi prend quand même assez cher. On va essayer de faire le plus de pertes possible, hein, ce serait vraiment cool. Et mais là, je vois qu'il commence à m'encercler. Moi, je vais pas tenir, là, je suis trop peu nombreux, j'ai pas de cavalerie. C'est vraiment le horrible ces combats-là. C'est vraiment horrible, je me répète là, mais c'est vraiment. J'ai jamais vu des combats aussi horribles de ma vie, quoi. Là, c'est vraiment la peau. C'est le sommet, c'est le sommet là, des combats. Donc là une unité ennemie pardon commence un peu trop à s'aventurer, donc on va essayer de la charger. Voilà, bon elle me charge de flanc mais ça c'est un petit peu foiré comme vous pouvez le voir. De ce côté-ci on va s'occuper là-bas, ça recommence un peu à être tendu là. Allez c'est reparti, le combat est relancé. Wow wow wow, ça j'avais pas vu du tout. Allez go, flèche enflammée pour le moral. Hop là, mets-toi là toi. Trop mieux. Regardez-moi ces cavaliers quoi, c'est vraiment chiant ces trucs là. Ça fuit mais moi je vais fuir, je sens que je vais fuir là.
Horrible, va falloir que je vite que je dépêche cette armée là. Enfin cette armée là, ce groupe de légionnaires là à l'arrière. Allez, allez, bougez-vous, bougez-vous. Il faut pas que le général crève cette fois. Bon, j'ai mis les flèches enflammées parce que là j'en ai ras le cul. Il commence vraiment à me gonfler. Et comment on commence à me gonfler, bah faut même pas me croiser, voilà. Donc là c'est bon, allez, faites un massacre ici. Et c'est pas encore bon, hein, c'est pas fini. Vous inquiétez pas, non, non, ce serait trop bien si c'était fini là. Déjà on va pas trop s'éparpiller, merci. Remettez des groupes ici, voilà. Toi tu vas retenir, venir là. En courant ce serait mieux, merci. Allez go. Allez go, on va recharger là. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud, c'est extrêmement chaud. Extrêmement dur là, je... C'est super, en fait, c'est de la guerre psychologique, hein. C'est de la guerre psychologique ce truc là, c'est vraiment horrible, hein. Ça fait un mal de crâne pas possible. Regardez, et puis eux ils me narguent là, ah, on arrive, on n'arrivera pas, gna gna gna. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Donc là le général a chargé, donc voilà. Les unités les plus horribles que je déteste, souvenez-vous la bataille suivante, c'est ce qui nous a fait perdre la bataille alors qu'on les a tous annihilés. Sauf qui? Sauf le petit général avec son unité complètement cheatée, qui est en train de m'attaquer en ce moment même. Bon là je suis en train de le charger par l'arrière, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Alors, ici on me charge de flanc. Voilà, c'est n'importe quoi là, c'est n'importe quoi. C'est horrible, horrible. Là, on a réussi à en avoir un, non? Parfait, 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 on continue. Continue, on faiblit pas. Là-bas, ça va un peu mal se passer, je pense. Oulalalalalala. Regardez ça, mais regardez ce merdier, quoi. Je sais même pas si vous m'entendez quand je parle, quand je me balade dans le champ de bataille. Dépêchez-vous, vous. Allez, vous envoyez contourner comme ça. Il faut qu'on défonce cette saloperie de général. Rien, allez, vas-y. Pas un seul de nos guerriers ne fuirait comme il le fait. Ok, bon, ça c'est bon. Problème est réglé. Moi je veux toute leur tête au-dessus de mon lit, des généraux, ou une défaite de la part des 1. Bien évidemment, pas une défaite de ma part, ce serait assez stupide. C'est vraiment dur, la vache, c'est chaud, hein. C'est vraiment en psychologique. Mort d'un général ennemi, on a tué deux généraux pour le moment et ça finit jamais. Alors ici, il y a une de mes unités qui fuit, guerrier de l'arrière-urbane, et ben en plus. C'est pas bon du tout, ça. C'est vraiment du dépiotage, là, c'est vraiment... C'est pas avec des bouts d'hommes, c'est horrible. Regardez, et puis là, ça me narque, quoi, c'est vraiment nul. Heureusement, il y a le soutien de mes archers qui est là. Parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Bon, faut qu'ils arrivent à tuer le général, ce serait bien. Et là, voilà, archer sans protection, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Pas plus compliqué que ça. Hein. Mon général est où? Là, le chef vient encore de fuir. C'est extrêmement serré. Je sais pas, ça sent quand même la défaite. C'est vraiment horrible ce sentiment. Faut que mon général tienne. Faut qu'il tienne. Hein. Sinon, le moral va chuter. Et bien chuter. Ah là, aïe 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 aïe. Saloperie de seigneur de guerre, ouais. Je sais pas du tout combien de temps dure la vidéo là. Je vais encore faire une petite ellipse, je pense. Donc là, il y a une petite poche de résistance de 1, donc on va essayer de mater ça. Oh, c'est extrêmement dur. Oh là là, le nombre de morts, c'est vraiment un carnage cette bataille, c'est vraiment un carnage. Je déteste ça.